La recherche contre la maladie d'Alzheimer avance. Et dans cette lutte implacable, France Alzheimer et maladies apparentées est plus que jamais aux côtés des chercheurs, parmi les meilleurs et les plus chevronnés. Aujourd'hui, l'épisode « Le mystère APP ». Les peptides amyloïdes sont produits à partir de la protéine APP lorsque cette dernière subit plusieurs coupures. Selon l'hypothèse dite de la cascade amyloïde, l'accumulation de ces peptides amyloïdes serait à l'origine de plaques amyloïdes dont la toxicité favoriserait l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Nos chercheurs vont donc effectuer leurs investigations au cœur du cerveau afin de mieux comprendre la production de ces peptides. En effet, pas moins de 20 000 gènes sont présents dans le génome humain. Alors comment identifier ceux capables de moduler la production des peptides amyloïdes? Grâce au microscope de dernière génération, il est désormais possible de passer à la loupe l'ensemble des gènes humains afin d'identifier ceux responsables de l'augmentation de la production de plaques amyloïdes. Mais quels gènes régulent la production des peptides amyloïdes? Lesquels sont responsables de l'augmentation de la production de plaques amyloïdes? Et au contraire, quels sont ceux qui la freinent? Pourra-t-on utiliser la génétique pour soigner la maladie d'Alzheimer? Autant de questions posées auxquelles France Alzheimer et maladies apparentées souhaitent apporter des réponses grâce aux chercheurs afin qu'un jour, Alzheimer ne soit plus qu'un lointain souvenir. Ensemble, donnons à nos chercheurs les moyens de battre la maladie. Aidez-nous à lutter contre Alzheimer. Faites un don sur francealzheimer.org.